Tout est en énergie. Une fois que vous extériorisez votre idée, elle va aller dans l'intelligence universelle. Votre idée maintenant, elle est dans cette... Comment on dit, si je peux vous faire comprendre ça, dans le cloud de l'intelligence universelle. Ce qui fait que maintenant, toute personne peut avoir accès à votre projet, à votre idée. Ça peut faire que quelqu'un va avoir la même idée et vous allez dire, mais c'est pas vrai, on a copié mon idée. C'est exactement l'idée que j'avais. Parce qu'une fois que le projet est extériorisé, c'est dans le firmament, c'est dans l'intelligence universelle et tout le monde peut taper dans cette intelligence. Une bonne méditation. Et vous avez entendu souvent des gens qui ont écrit des bouquins et puis ça devient presque similaire. Parce que les idées sont de l'énergie. Quand vous l'avez même dans la tête et puis vous tardez souvent, c'est pour ça aussi que quand on a des idées, n'hésitez pas à les réaliser tout de suite. N'attendez pas en disant « Oh, c'est pas encore parfait, je vais parfaire ça avant de... » Parce que maintenant, l'idée, elle est mûrie, elle est faite. Comme c'est de l'énergie, vraiment, elle est dans l'intelligence universelle. Après, quelqu'un peut avoir la même idée et vous allez vous dire « C'est comme si elle est rentrée dans ma tête et elle a piqué mon idée. » C'est comme ça. Donc, les projets, vous les réalisez le plus vite possible. N'attendez pas à vouloir que ce soit parfait. Cette imperfection-là, quelqu'un d'autre peut trouver l'imperfection de cette idée parfaite. Et aussi, quand on a une idée, ou quand vous la matérialisez, par exemple, dans un bouquin, quelqu'un va lire le livre et avoir une autre vision que vous-même, ayant écrit le livre, vous n'aviez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, vous pouvez dire que c'est une imperfection, mais cette imperfection peut être la perfection chez quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous devez savoir, au fond, on est tous des êtres humains interconnectés. On est interconnectés. Voilà, on a juste cette vaisselle-là, cette peau qui nous leurre en nous faisant croire qu'on n'est que ça, mais on est plus énergie. On est plus énergie qu'autre chose. Combien de pensées vous avez par minute? On a des millions de pensées juste. En moins d'une heure, t'as toutes ces pensées qui filent. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher aux mauvaises idées ou aux mauvaises pensées qui nous trottent dans la tête. Plus vous pouvez les effacer, vous dites non. Tu te lèves certains matins et t'as des idées moroses. La seule chose qu'il faut commencer à faire, c'est dire non. Qu'est-ce que tu fais dans ma tête, toi, cette idée? Tu ne m'appartiens pas, toi. Va chez l'autre. Ça circule. Si tu ne la veux pas, tu dis non, je ne te veux pas. Donc, étant donné que tout circule... Voilà, vos idées peuvent aller chez quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre peut avoir ses idées dans votre tête. C'est pour ça que quand tu réfléchis généralement à un sujet, ce qui se passe la plupart du temps, plus que tu réfléchis. C'est comme ça que les mathématiciens et les physiciens font. Ils ont une idée et puis l'idée reste là. Ils n'arrêtent pas de penser à ça, ils mangent avec ça, ils se douchent avec ça. Et le fait d'avoir l'idée tout le temps dans la tête, les idées du même genre vont venir. Ça vient s'ajouter. C'est dans ça qu'ils vont trouver des formules mathématiques, les théorèmes que vous connaissez. Donc, quand tu as ton livre et puis tu es là, tu peux attirer les idées de quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre peut aussi attirer tes idées. Donc, voilà, hâtez-vous. L'univers a besoin de vitesse. L'univers a besoin de vitesse. Je ne sais pas qui disait ça encore. Et c'est juste. L'univers a besoin de vitesse. Si vous avez vos idées, n'attendez pas. Parce qu'elle vous est arrivée, si vous ne faites pas gaffe, elle va aller chez quelqu'un d'autre, cette idée. Donc, on est arrivé ici en tant qu'être complet. En tant qu'être complet. On a besoin de vivre en société parce qu'on est là pour apporter de l'amour, vivre en société. Voilà, choisir une personne à qui on veut offrir, par exemple, notre amour dans une vie de couple. C'est pour ça qu'on ne se marie pas, parce qu'on veut que l'autre nous aime. Mais on se marie pour aimer, pour donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour dire qu'on est déjà parfait, comme on a choisi d'être, on a été équipé, on se suffit à nous. Donc, on est là pour partager, apporter une plus-value dans la vie des autres. Donc, vos idées, c'est pour apporter une plus-value à quelqu'un. Ne dites jamais qu'elle n'est pas bien. Une personne que vous pourrez ne jamais rencontrer va trouver cette idée tip-top. Ne vous sous-estimez pas, allez de l'avant avec vos idées et vous allez voir que l'univers vous soutiendra à chaque fois pour arriver au bout. Voilà, dites-moi ce que vous pensez en bas. On continue à apprendre les uns des autres. Paix à vous et puis on se retrouve très très bientôt.
Mais pas tous, hein. Quand je parle des mathématiciens qui ont trouvé les formules, je ne parle pas des mathématiciens qui sont allés copier ça en Égypte antique et venir dire après que c'est leur formule. Vous voyez de quoi je parle, hein? Suivez mon regard, ok? Bon, je voulais juste ajouter ça pour que les choses soient claires. Il y a mathématicien puis mathématicien. Ça, c'est des vrais plagistes, là. Ah, les fous, là, c'est des vrais plagistes.